Salut tout le monde, c'est Arconis et on se retrouve pour un petit tuto. Comment faire un chétif de Kirikou? Pour ceux qui connaissent, c'est le chétif avec les grosses mains. Donc, pour faire la tête, vous avez besoin de height. Besoin de ces pièces là. Ça c'est le haut de la tête et ça c'est le bas. Donc vous prenez cette pièce et en dessous vous mettez les deux côte à côte et vous le placez comme ça. Ensuite vous prenez ça et vous le placez ici. Donc là, vous avez la tête. Pour faire le haut du corps. Voilà. Ça, c'est de 6. Ces deux-là, de 4. Et celui-là, de 2. Donc, prenez la barre de 6. Et au milieu, vous mettez la barre de 2. En dessous, vous mettez la barre. Les barres de 4 et ça fait les bras. Prenez la tête, vous la posez tout à l'arrière, comme ça. Là, vous avez le haut de votre chétif. Ensuite, pour faire le bas du corps, vous avez besoin de 4 barres de 2 et d'une barre de 6. Vous mettez les 2 barres de 2 l'une sur l'autre, vous la placez sur la barre de 6. Ensuite, vous prenez les deux dernières barres de 2 que vous mettez aux extrémités de la barre de 6. Et vous avez le bas du corps de votre chétif. Donc vous prenez le reste de votre chétif et vous le mettez par-dessus, au centre, toujours. Et voilà, vous avez votre chétif. Bien sûr, vous pouvez changer la direction des bras. Comme c'est sur une seule, comme c'est sur un seul Lego, ou la direction des pieds d'ailleurs. Voilà, c'était la vidéo pour savoir faire un chétif en Lego. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ceux qui connaissent pas les chétifs, je vais vous mettre une image à la fin de la vidéo. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Hein. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, cliquez sur un j'aime, mettez un pouce bleu, lâchez un commentaire et on se retrouve pour de nouveaux tutos pour plus tard. Allez, salut!